Bonjour à toutes et à tous. Vidéo intéressante et vidéo un petit peu particulière. Il y a pas si longtemps que ça, un client m'a fait l'éloge et m'a dit texto: je suis sûr que vous pouvez poser du carrelage les yeux bandés. Et ben je relève le défi. Toutefois, il me faut quelqu'un d'impartial, quelqu'un de légitime pour me surveiller, savoir ce que je fais et vraiment vérifier que je ne triche pas. Et qui d'autre qu'Emmanuel de la chaîne Devenir Carreleur pouvait être avec moi sur ce projet, sur cette vidéo. Est-ce que je vais réussir ou pas à carreler les yeux bandés? Là est la question. Gilly l'a mis la barre haute, moi je pensais vraiment qu'il allait se cantonner à juste dresser ses carreaux et peut-être quelques coupes. Il veut vraiment tout faire à l'aveugle, donc il veut couper à la disqueuse, tracer ses coupes pour les mitigeurs, enfin ça va vraiment être à mon avis un grand moment. Je vais te montrer deux objets pour me cacher les yeux, c'est toi qui vas choisir lequel je vais prendre. Ouh là là, j'ai peur. Okay. Oh, je vais dire laquelle. Après je te laisserai vérifier, tu d'accord. Fais des mouvements. C'est pas mal ça en vrai. Ça, celui-là t'aimes bien? J'aime bien, ouais. Okay. Allô, je pense que ça va être une pépite parce qu'il se cache pour le mettre. Celui-là. Ah lui il est génial. Il est pas mal. Ah, il est pas... Je sais pas comment je vais. Il est magnifique. Bon bah. Donc moi dans l'idée, je vais quand même essayer de guider un peu Gilles pour aller à sa ah. 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 Allô le travail. Bonjour. Bonjour. Hop là. On va quand même contrôler qu'il nous fasse pas une petite tricherie. Bon, on est d'accord, c'est tout noir. Il va être beau avec ça. Tiens, mon Gilles, remets-le. On a mis le poste de travail tout autour de Gilles. On va vous le montrer rapidement pour qu'il ait vraiment tout sous la main. Alors, donc, le plan de travail. Ici, j'ai ma carrelette. Là, je vais quand même mettre le séparateur. Bon, bah, ça, je le ferai après. Là, ici, il y a tous les carreaux. Là, il y a mes lunettes. Je les ai posées, j'en aurais pas besoin. Le poste est ici. Poste de coupe avec la carrelette. Et de l'autre côté, là-bas, il y a tout ce qui va être disqueuse. Bon, alors, la disqueuse, voilà, c'est la petite marche que je... Faudra m'aider la manuelle. Allez! Oh punaise! Et là, c'est le poste avec la disqueuse. Voilà. Allez, c'est parti, Gilles. Attends. Et moi, je me pousse, hein, je te laisse faire, je te regarde. Voilà, la colle. On est là, on est là. La plaine juste à côté. Ok. Attends, je vais déjà peigner au mur. Ok. Voilà, nickel. On est bien parti. Voilà. Tiens Manu, je vais te faire un sens ou pas. Tu peux arrêter de peigner. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Donc. Wow. Je sens bien là. Ouais, bah oui. Oh, t'as le placo pour t'aider, le champ du placo. Non, plus là, ouais. Voilà, exactement. Non, voilà, ici. Voilà. Voilà, ça, je sens qu'il y a un bon transfert. Ah bah nickel. Ah oui, voilà. Je l'ai. C'est bon. Je l'ai. Rentre-le bien et c'est bon. Voilà. Nickel. Voilà. Une salle de baron, Manu. Ouais. Nickel. Moi, ce que je te conseille, c'est pose-en un maximum. Ouais. Tu nettoieras après. Ça t'évitera parce que là, t'as déjà mis un coup d'éponge sur ta colle. Ah, ah ouais. Bah parfait. Ouais. D'accord. Par contre, niveau double encollage, ouais. Ouais, il arrive un moment. Ah là, tu, ouais, ouais. Tu vas à l'essentiel. Là. Nickel. C'est pas mal. C'est quoi cet écarge là? Là tu lèves trop, là tu lèves trop, descends-le. Voilà, descends-le. Voilà, ah, tu ouais. Vois. Ah ouais. Descends-le. Monte ta cale blanche. Hein. Ouais. Voilà. Ok. A mon avis, tu peux le redescendre celui-là de, que tu viens de poser là. Celui-là là. Il est trop haut, ouais. Ah ouais. Je sais pas comment ça se fait. Redescends à la droite aussi du coup. Je suis sur le bas. Là t'es à fond. Ouais. D'accord.
Alors faut que tu mettes deux croisillons dessous, je pense. Faut que tu retires la colle un petit peu à gauche. Sur le premier carreau que t'as mis. À gauche, à ta gauche. Ouais, par là. Faut que tu retires la colle là. Tu sens là, il n'y a pas de colle. Pousse ton pouce, pousse ton pouce. Ouais, sur le côté, il en manque un peu. Tu vois, à ce niveau-là, là. On voit ici, là, il va te manquer de la colle ici. Ah, voilà. Très bien. Là, il y a de la colle ou pas? En fait, il faut que je mette ma main. Voilà. Bon, regardez un peu ce transfert, ce double encollage de qualité que tu nous fais. Oh là là. C'est mieux que tout à l'heure déjà. D'accord. Ouais. Voilà. Toujours bien nettoyer ses carreaux. Ah, toujours important. Nettoie bien ta ligne de joint. Pas mal. Tu peux poser un carreau entier encore à droite et tu peux faire un rond au-dessus. Voilà. Oh, oui. Tu es content, Manu? Ah bah écoute, je sens que je vais avoir une belle salle de bain. Moi je serais toi, je tricherais là avec les croisillons. Je descends là. Ouais. Je descends là. Tu vois, je vais faire comme ça avec la bouche à chaque fois. Là. Il y a assez de colle là ou pas? Il y a assez de colle, il y a assez de colle. Il y a assez de colle. Ouais. Je vais faire celui d'à côté. Allez. Voilà. Ah là, il y a un crochet, ouais. T'arrives à le recharger en bas à droite. En bas à droite. Voilà, ah ouais. Voilà. Oh lolo. Ouais, tu le recharges ici en fait. Oh. Okay. Ouais. C'est un concept. Hop, un peu trop bas. Oh. À gauche, hein. Non, tu sais, déjà mis à droite. Ah bah si tu connais pas de droite de ta gauche, aide-toi avec le petit bord que tu as de ton deuxième carreau que t'avais posé. Et repousse ton croisillon un peu plus sur la droite l'autre. Voilà, il manque un peu vers la droite. Ah, c'est chargeant quoi, non? Ouais, tourne-le celui-là, tourne-le. Au quatrième rang, tu seras presque de niveau, je crois. Bon, fais des coupes peut-être, non? Allez, on attaque. Allez, les coupes. On attaque. Bon, les coupes. C'est là où c'est chaud. Parce que autant là, je suis sûr que j'ai fait du travail qui va à peu près. Ouais. Autant les coupes là, je... Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Est-ce que t'as le crayon? Je te l'avais donné tout à l'heure, Gilles. J'ai dit, tu le gardes dans ta poche. Ah. Et il était dans ma poche. Eh bah voilà. Parce que j'essaye de voir où est le... Alors reprends ta mesure, Gilles. Le problème c'est que... Tu les traces et je les coupe? On fait comme ça? Bah je vais en couper quand même. Tu vas en couper, d'accord. Ouais, je vais la couper. Oui, tu vas faire comment? Tu vois rien. Je vais faire le repère avec le doigt. Avec le doigt. Nettoie le bord de ton carreau et fais-toi un repère à la colle. La colle, voilà. Et tu mets au bord de ton carreau. Comme ça, ça sera plus simple. Ton carreau, il est pas collé là. Très bien. Non, c'est, oh, bon. C'est bon, c'est bon. Tu le vois? Je le sens. D'accord. Voilà, t'es à la carte, ça y est. Allez, première coupe. Oh bah écoute, ça a l'air d'être pas trop mal, hein. Par contre, t'as fait une bêtise, c'est que tu l'as pas double collé. Ah putain, c'est pour ça que ça fait. Là il me reste des coupes, mais je les ferai peut-être après. Quelques coupes à faire, ouais. Parce que en fait mon angoisse là c'est la disqueuse là. Comme ça là. Ouais, exact. Donc là en fait j'ai pas une coupe en plein de carreaux. Exact. Ouh. Et là. Ok. Oh, il y a pas beaucoup à couper, hein. Non. On va dire que c'est à peu près l'empreinte de ton pouce. Disqueuse. Allez, deux. What? Regarde, là tu m'en avais fait deux, c'était très bien. Là tu m'en avais fait deux, là. Une là, ouais. Une là, une là. Ouais. D'accord. Bah, j'étais persuadé de retomber dessus en fait. Ah d'accord. Et là tu m'as fait la troisième qui est là. Ah. D'accord. Bah, tu mettras du joint. Voilà.
Retourne ton carreau, à mon avis, Gilles. Attends. Moi, je serais toi, je retournerais mon carreau. Ah, d'accord. Ok. Ah, bah là, allez. Je pense que ça passe. Bon, pas au bon endroit. Allez, voilà, tout droit. Voilà. Tu vas y arriver, vas-y. Voilà. Avec le carreau en premier. C'est bon, c'est bon. Là, je fais des petits pas. Des petits pas, vas-y. Tu peux faire un grand pas là. Bah là, à mon avis, ça passe. Mais... Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je dis, tu l'as fini à la tenaille. Un peu sur la gauche, ouais. Pose-le, le carreau, t'es pas posé. Et fais-le glisser maintenant. Ah, ça bloque encore un peu. Allez. Non, non, mais. Ah, bah là, ça va passer, mon Gilles. Ah là, ah, bah là je pense avec une belle rosace dessus. Non, en fait, je peux pas. À mon avis, ça passe. Ah, bah là, ah, bah là, t'es large. Allez, tu veux le poser. Allez. Bah, bien sûr, je le pose. Vas-y. Ah mais t'es derrière. Tu l'as, tu l'as, je t'ai mis tes croisés en côté. Ça tu m'as fait. Il a eu peur, j'ai. Voilà. Voilà, c'est bon, je peux faire les mains. Fais gaffe, t'en as mis un peu là aussi. Vas-y, c'est bon. Allez. À toi de jouer. Ah bah là je pense que je vais bien jouer. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, je t'ai fait une petite grâce. Non. Avant la pause. Non. Je t'ai mis un croisillon derrière le carreau. Non. Oui. Non, il est sur le mur, il est sur le mur. À gauche. Ah, tu y es presque, remonte un peu. Ah, redescends. Putain, je m'en ai remis, hein. Non, je t'ai rien remis. Promis, je t'ai rien remis. Ah non, non, je t'ai rien remis. Putain, c'est pas possible. Ah non, non, je t'ai rien. Super. Et il est en plein milieu du carreau, celui-là, non? Non, t'as un tiers du carreau, là. C'est parti? Ouais. Allez. Hop. Tiens. En jambe, là, il y a le bac. Voilà, super. Oh, j'ai regardé le bord, là. Le petit bord qui va te rester. Ouais, là et. Le petit bord, est-ce que tu le ferais pas à la tenaille? Parce qu'il y a vraiment pas grand chose, ouais. Hein. Eh ben, je pense que tu vois, c'est à peu près par là. D'accord. D'accord, encore un petit coup parce que t'as pas caissé au bon endroit. Allez, c'est bon. C'est bon, Gilles, c'est bon, là t'as assez séparé. Ah, hein, c'est séparé. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai, ça m'a. Ouais, c'est pas mal. Allez, tu rentres tout seul là. Tout droit. Non, non, à droite, à droite, à droite. À droite. Allez, tu rentres tout seul. Putain, je peux rentrer avec le carreau. Là. Allez, vas-y. La petite marche. Olé ! Il y avait un piège. C'est pas mal, mon fils. Alors, il y a moins d'écart que l'autre. Là, ça passe. Tu, ouais. On est bon, là. Oui, oui. Bon. T'as double encollé de partout, mais sauf où il fallait, en fait. Mais c'est marrant. Il y a du vide, là. Ouais, bah, c'est l'entaille que t'as faite tout à l'heure, ça. Allez, l'entaille là! Ouais, c'est l'entaille. Là, honnêtement, vu l'état, je pense. On va être obligé de démonter, je pense. C'est sérieux? Ah oh, bah, tu vas voir les hommes taille là. Il va falloir brasser du joint. Ah bah là, c'est. Ouais, ouais, je pense. C'est même plus du joint à ce niveau là. Là. Ouais, peut-être m'arrêter là alors. Ouais, je pense. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est l'ordre de l'impossible parce que. Non, franchement, au niveau des repères, c'est. Bah, je pense que le visuel dans notre métier, c'est ce qui est le plus important. Le visuel. Bah, ouais, c'est sûr, bah, c'est grâce au visuel qu'on arrive à voir les défauts. Ouais. Même le toucher, des fois, ouais. Il a des défaillances et c'est à l'œil qu'on arrive à voir les défauts. Ouais. Donc sans la vision, c'est quand même très compliqué de poser du carrelage. Qu'est-ce que ça t'a fait du coup? Eh ben. Les mouvements que t'as fait, comme tirer la colle par exemple, ça c'est quelque chose que t'as très bien fait. Bah oui, ouais. Parce que ça, ça force, c'est la répétition. Automatique. Ouais, t'es presque plus obligé de regarder en fait, ouais. Ça. Enfin, après, forcément, il y a des endroits où c'était mal fait. Mais ça, si tu veux, ça, tu la gardes, la gimmick, tu remets ta colle, tu tires, ouais. Tu remets ta colle. Après, par contre, c'est vrai que là, dès que tu te dis que tu vois plus, ouais. Et que tu dois commencer à poser ton carreau, tu, ouais. Tu cherches ton repère. C'est ça. Parce que c'est ce qu'on regarde la première fois. C'est ouais. Où on le pose, on a un repère, et c'est celui-ci qui me guide tout le reste, qui exact. Va te guider après pour les coupes. Ouais. Si celui-ci, dès le départ, tu le mets pas bien, c'est mort. C'est vrai. Non, là, je pense qu'il y a ça qui était compliqué, c'est que sur le départ, Gilles, il a eu beaucoup de mal parce qu'il avait déjà un décalage sur le deuxième carreau qu'il a posé. Et ça l'a mis un petit peu en échec pendant toute sa pose. Moi, je lui ai proposé de poser une crédence de cuisine avec trois carreaux en hauteur. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais il voulait vraiment prendre le choix de la difficulté pour ce challenge. C'est magnifique.
Bah écoutez, ce fut un échec complet. Et ça fait presque peur. Je remercie encore Emmanuel pour son accompagnement sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puis surtout prenez soin de vous. Ciao.